Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que je suis désolée, mais je vous ai menti. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, c'est un dernier haul que je vous présente avant Ouais. un petit bout de temps? Ben, c'était un petit mensonge parce que... Oh! J'ai fait des courses aujourd'hui. Alors, j'ai fait des courses à la base pour acheter une paire de lunettes de soleil. Yeah, baby. Alors, ça faisait 13 ans que je n'avais plus porté de lunettes de soleil, puisque je portais des lunettes de correction avant, et j'avais jamais acheté de lunettes de soleil adaptées à ma correction. Donc ici que j'ai des lentilles, voilà quoi. Donc à la base, j'étais partie pour me chercher des lunettes de soleil, et puis bon, hein, vous savez comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai enlevé l'étiquette, mais... Je l'ai gardé. Donc, mes lunettes viennent de H&M. Et si je retrouve l'étiquette qui se barre, je les ai payées 5,95 € mes lunettes de soleil. Donc, je voulais vraiment des lunettes pas chères, quoi, puisque voilà. Éventuellement, plus tard, j'achèterai des meilleures lunettes. Alors, je suis passée dans le rayon accessoires et comme d'habitude, je n'ai pas su résister. Donc j'ai pris, je m'en suis servi aujourd'hui, c'est pour ça que tout se barre. J'ai pris, donc ça coûte 1,95 € et j'ai pris toute une série d'élastiques à cheveux pour 3,95 €. Je me suis acheté un headband, donc c'est un double headband tressé couleur beige clair que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Alors, je me suis acheté un lip balm Raspberry Sugar pour 1,95 €. Donc, si vous voulez voir, ça se présente comme ceci. Vous glissez et puis, hop, la matière est là. Ça sent bon les fruits, ça sent bon l'été, c'est du pur bonheur. Et alors, pour 95 cents, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai pris un lip gloss et j'étais trop fan du packaging en fait. C'est con, hein. Mais voilà. Et lui aussi sent bon. J'en ai mis un petit peu tout à l'heure déjà. Ah, je sais, tout ce que j'achète, je le fous sur ma tronche, mais bon. Et alors, ça sent bon, ça sent sucré, ça sent la glace au citron, mangue, enfin, bref. Un vrai petit pot d'été, je vais dire. Donc voilà, ça c'était les achats chez H&M. Alors ensuite, je suis allée dans un magasin, ça faisait une éternité, mais ouh, sérieux, une big éternité que je n'y étais plus allée. Et comme je suis la chaîne de The Petite Poule qui parle souvent de cette marque, je me suis dit, bon allez, hein, c'est que ça doit valoir le coup d'y retourner. Donc je suis allée chez Yves Rocher parce que j'ai presque terminé ma poudre. Ma sorte d'MSF de chez Catrice. Donc, hop, j'ai pris une poudre matifiante de chez Yves Rocher, donc. Avec une petite éponge, et je m'en suis déjà servie tout à l'heure pour faire une petite retouche. Et alors, j'ai reçu une enveloppe avec une carte de membres, j'ai reçu des échantillons. Bref, alors bien sûr, je suis passée chez New Look Baby et j'ai encore craqué sur un petit pull léger de couleur menthe pour pas changer. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit juste le truc de chez Yves Rocher. Je sais pas si j'ai collé ticket de caisse, je ne pense pas, mais c'était un peu moins de 10 €. J'ai payé 9 € et quelque chose. Bref, donc mon petit pull de chez New Look. Enfin, mon petit pull, il est super long en fait. Et celui-là, je l'ai payé 14,99 €. Voilà, et vu la couleur, il y avait le même en bleu, un beau bleu aussi, mais. Rien à dire, le menthe, c'est la couleur de cette année. Et alors, je me suis pris
un legging, mais jeans, un jegging. hop, et donc là, 11,99 €. Et super sympa. J'ai pris une taille un peu plus. Non, je mets du 42 en bas, mais j'ai pris du 44 parce que j'avais peur d'être un petit peu trop serré dedans. Donc. La démarrance pour la choupe. Oui, j'arrive, je finis ma vidéo. Ok. Donc, voilà pour mon petit legging. Ensuite, j'ai pris. Je voulais une petite paire de chaussures toutes simples. Donc, j'ai pris des petites baskets comme ceci. Voilà, je dirais, enfin, moi, c'est le genre de pompe que j'aime bien pour aller me promener ou même pour rester dans le jardin ou quoi. Et celles-là, je les ai payées 8,99 €. Et alors, les dernières pompes que j'ai prises, je les avais repérées il y a déjà quelques temps, mais je ne les avais pas achetées. Et aujourd'hui, j'ai craqué. Donc, ce sont des espèces de baskets en imitation d'un. Couleur beige clair avec une ouverture ici, donc il y a un scratch sur le côté, donc il y a une ouverture avec des petits clous comme ça de couleur dorée. Et alors il y a une semelle compensée, j'adore, on est super bien dedans. Je les ai essayées et elles m'ont coûté 34,99 €. Voilà, donc mon budget du mois est déjà parti alors qu'on n'est pas encore au mois de mai, mais bon. Bref, voilà. Donc voilà, c'était mon mini haul. J'avoue, j'ai craqué. C'est pas bien, mais bon. Est-ce que c'est vraiment pas bien? Non, c'est bien de se faire des petits plaisirs. Après tout, quand on travaille et que, voilà, quand on gagne sa vie, c'est pas que pour payer les factures. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps. De temps en temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de regarder les autres vidéos et de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et Instagram, puisque j'y suis de plus en plus active. Et quand je dis de plus en plus active, c'est tous les jours je poste quelque chose, je prends des photos de voilà de choses qui constituent ma vie. Et j'aime bien voir aussi les photos et les statuts des autres et communiquer via Twitter et Instagram. Donc si. Waouh! Si vous avez des comptes sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à me suivre et à me dire qui vous êtes si jamais vous vous abonnez sur ma chaîne. Comme ça, je peux un petit peu m'y retrouver. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans plein d'autres vidéos. Gros bisous, salut!